Bonjour à tous. Voilà, nous sommes bien reposés. Nous voilà partis. Bon, c'est bien inondé. Cette nuit, ça a soufflé. Ah, il y a déjà une personne. Bon, je vous reprends après. Donc je disais, parce que il y avait un chasseur de champignons, il m'a dit que c'était complètement trempé. Donc je pense que la journée va être difficile. Je vais passer par les bois. Bon. Je vous souhaite une très belle journée, à tout à l'heure. Direction Sanguinée aujourd'hui. A vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. In the vision that was planted in my brain still. Alors je peux vous dire que je suis hyper content de reprendre le chemin. Regardez comme c'est joli, même le ciel il est, on voit pas trop parce qu'il y a plein d'arbres, mais bon, franchement, qu'est-ce que c'est bon de repartir. Alors aujourd'hui ça va être que des petits chemins comme ça, avec quelques passages difficiles, certainement inondés. C'est pas grave. À tout à l'heure. Alors, si je prends par ici, c'est la grande route. Si je prends par ici, c'est la forêt mystérieuse. Alors, maintenant, sans aucune hésitation, passons par la forêt mystérieuse. Oui, mais voilà. Vous voyez ce que je vois? Ça va pas être facile. Ah oui, quand même. Ça va avoir des bottes pour passer par ici. Bon ben je coupe. Hein. Allez, je vous fais écouter cette magnifique forêt. People may be more.
Alors nous avons ici un magnifique petit village de fées et je le sais à quoi on peut le reconnaître de façon, de toute manière je vous l'ai déjà dit. Regardez. Voilà, quand vous voyez un ciel magnifique au-dessus du village, ça veut dire que c'est un village de fées. C'est toujours triste de voir un arbre déraciné. Bon ben voilà, l'étape s'est relativement bien passée. Il y avait quand même beaucoup de vent, alternance pluie, soleil. Et je suis quand même bien content d'arriver pour la première journée. À peu près une vingtaine de kilomètres. Alors, je voudrais vous remercier pour tous les dons que vous avez fait pendant les vacances. Enfin, nos vacances. Et vous êtes des personnes exceptionnelles. Je l'ai toujours dit. Après, je vais essayer de mettre un article là en bout de ma page. J'espère que vous arriverez à le lire. En fait, on parle de vous. Oui. On a signalé aux journalistes que les abonnés était quand même... Ah, encore une voiture. Les abonnés étaient quand même bien bienveillants. Et je trouve que c'est normal qu'on en parle. Alors, si vous arrivez à lire l'article, vous verrez. Donc voilà. Ceci étant dit, nous allons bientôt arriver pour nous reposer. Tout à l'heure. Ici ou n'importe où, en attendant, abîmez pas le cœur lourd. Et même si les océans nous séparent. Tenez le coup, petit arbre. La tempête va bientôt se terminer. Et si la vie parfois nous joue des tours?
Wallonne, nous sommes arrivés à Saint-Guinée. Nous allons dormir dans la salle de sport. C'est dehors, c'est le stade de foot. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, non, c'est pas un stade de foot. C'est un stade de rugby. Là, donc je vais dormir. On va dormir là ici au pied du comptoir. Et puis on va être bien. Donc je remercie infiniment les présidents du club, monsieur Thierry, je crois, et monsieur Raphaël. Je vous remercie infiniment, vous êtes des personnes exceptionnelles. Voilà. La journée s'est bien passée. Ce fut pour moi une très très belle journée. Voilà. J'étais très heureux de reprendre cette rando. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ici, Francis Le Pèlerin, à vous les studios. Alors je voudrais faire un petit additif à ma vidéo. Je voudrais remercier Fabi et son mari qui sont passés tout à l'heure nous voir. J'étais très très heureux de faire votre connaissance. Et nous allons... Oh là, attention, attention Francis, c'est fougueux aujourd'hui. Hein. Regardez ce que Fabi nous a rapporté. De la soupe. Donc un grand merci, nous allons déguster ça ce soir. Tout l'amitié nous réunit.